Bonjour à tous et à toutes, c'est Fauscro, on se retrouve sur Fortnite pour une petite vidéo assez courte pour l'astuce pour les armes Evochrome. Parce qu'on a une quête d'étape à faire qui est ici. Faire évoluer des armes Evochrome en infligeant des dégâts, donc c'est très très simple. On va aller le plus que possible, donc là c'est un petit peu chiant parce que voilà, mais bon. On va le faire pour la quête quoi, en gros. On va faire le plus que possible, atterrir toujours ici, à Shimmering Shrine. Et une fois qu'on aura fait notre petit tour, si on est encore en vie, parce que attention, on peut aussi mourir. Voilà, tout à fait. Exemple, c'est un saut complètement dégueulasse. Heureusement que les sauts, on va dire, ont bien changé, mais par message de boost. Une fois qu'on aura terminé ça, on ira voir le sanctuaire du héros. Voir si le héros est encore en vie. S'il est encore en vie, tant mieux. S'il est pas encore en vie, ah, tant pis, c'est pas très très grave. Et ensuite, on verra comment faire pour trouver des armes Evochrome hors zone de Chrome, tout simplement. Parce que des fois, les armes Evochrome, on les a, on va dire, par chance, un peu partout. Mais surtout, la globalité du temps, dans des trucs, on va dire, chromés. Donc, on va voir comment faire pour les trouver un peu n'importe où. Mais il faut une petite condition, il faut avoir l'aspergeur de Chrome, bien évidemment. Bon, là, hop, on va annuler ça, on va tirer tranquillement, on va essayer de trouver assez rapidement dans des coffres les armes Evochrome, parce qu'ils se trouvent généralement dans les coffres. Je crois que j'ai jamais vu d'armes Evochrome hors coffre, honnêtement. Donc, hop, on prend quand même de quoi s'équiper avant pour se protéger au cas où. Ok, donc là, on a une arme Evochrome, donc là, on est parti. On va faire le tour d'ici, voir qui est arrivé là. Après, comme c'était assez loin, je sais pas s'il y aura du monde. Est-ce qu'il y a du monde par ici? Alors du coup, on va faire voir la petite astuce numéro 2. On va chercher des coffres. Hop, on l'a ici. Là, si on l'ouvre, on n'aura rien. On n'aura pas de truc Evochrome. Par contre, hop, vous prenez un petit aspergeur. Et là, quand vous ouvrez, paf, vous avez un Evochrome. Tac. Bon, encore un rafale. Après, faut savoir aussi que si vous voulez pas vous battre, parce que bah soit vous êtes pas, on va dire, en forme, vous avez pas envie de vous battre, ou peu importe votre raison. Les armes Evochrome marchent aussi très très bien sur les animaux. Alors, est-ce que je peux trouver rapidement un animal? Vous allez voir que la barre en bas à gauche, elle va monter comme assez rapidement. Hop, on fait évoluer. Ça, c'est fait. Ça marche avec tout, hein. Ça marche avec les poules, les loups, les sangliers, les crapauds. Par contre, j'ai remarqué que sur les gens, en fait, si vous voulez, ça marche moins facilement quand ils ont des boucliers. La barre monte beaucoup moins vite. Donc là, par exemple, vous avez vu, voilà. Donc là, par exemple, on a fait monter 3 niveaux d'Evochrome. Enfin, si c'est ça, 3 niveaux d'Evochrome. On a affronté personne. Mais bon, bah c'est monté. Donc après, oui, c'est certes, c'est lent. Il faut pas oublier que la fin de saison se termine, on va dire, en décembre, si mes souvenirs sont bons. On a le temps. Sur ce, on se dit à tous et à toutes à la prochaine. Kiss tout le monde.